À Casablanca, la hausse des prix du pain est à l'origine d'une vague de dénonciations inédites. L'augmentation très contestée atteint 50 centimes pour une unité, notamment pour le pain à base du blé dur. Une hausse que les boulangers expliquent par la flambée des prix des matières premières à l'international. Le prix du pain à base de blé tendre n'a subi aucun changement. Il est fixé à 1 dirham 20 centimes. L'augmentation des prix concerne le pain à base de blé dur et de semoule, car ce sont des matières importées dont les prix ont augmenté sur le marché mondial. Fin août, la Fédération marocaine des boulangeries et pâtisseries avait annoncé une probable augmentation des prix. La fédération a évoqué les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur qui a entraîné la fermeture de plusieurs boulangeries à travers le royaume. Les prix des matières premières sur le marché mondial ont augmenté de 3 dirhams par kilogramme. Cette hausse est principalement provoquée par la chute de la production en raison de la sécheresse au Canada, principal fournisseur de blé dur du Maroc. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les prix mondiaux des produits alimentaires ont progressé de plus de 3% en août 2021, une hausse attribuée à la flambée des prix des huiles végétales, de ceux du sucre et des céréales.